les méchantes chrysalides qui arrivent. Ça fait trop peur. Toi tu vas venir à couvert ici. Toi tu vas venir à couvert ici. Oh! Qu'est-ce que tu vois? Hop! Bizarre. C'est le bug chelou, tu vois un mec mais tu le vois pas vraiment. Genre personne les voit là. Ah, y'a lui. Mais attends, y'a eux aussi. Pétez-leur la tronche. Au moins avec les méga, tu crois moins les chrysalides, c'est clair. Viens par ici. Captain Pilou. GG. Où sont les mecs à sauver? C'est ça la question. Il y a des gens là. Ah, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Est-ce qu'il y en a par là derrière? Là-bas, ouais. On va venir là voir ce que ça donne. Ah, ouais, ça y est. Lieutenant Digest. Captain Pilou. Ah, raté. De quoi ça parle? Oui, j'ai pas forcément besoin de ça tout de suite. On peut peut-être shredder l'autre. Ah non, ça va tuer le civil. Le gentil civil. Je veux pas tuer le gentil civil. Wow. Ok. J'aime bien quand il rate. Ça me fait toujours marrer. Que 33%, c'est gratos. C'est cool. Tiens, toi tu vois pas. C'est rigolo ça. Allez, tue-le. Dommage. Oh, mais quelle connerie. Il a tué le gentil civil que je comptais sauver. Allez, combo Sergio Croc-Knox. Voilà. Tu mérites bien ton nom. C'était un joli combo. Faudrait recharger. Par contre, à force, vous êtes un peu dans la dèche. Je vais vous faire revenir par là. C'est lesquels qui transforment en zombies dégueulasses après? C'est eux, c'est les chrysalides. Regarde. Non, c'est fini! Mais on s'ennuie! Eh mais oui, mais ça c'est vraiment à cause du normal, ça. Bon, bah, du coup, on speedrun le. On speedrun le mode normal. That takes a solid effort. Ça va falloir commencer à... Ça c'est cool hein. Ça c'est cool. We will be in touch, Commander. Il y a des frappes logicales tout. Alors... Our suspicions may have been true after all. They're not just here for abductions.
Ah, il y a du alien containment, donc on va le faire là-bas. Et là, ce serait bien de faire un petit workshop. Ah, alors on a besoin de power generator. Ok, on va le faire. Ah, j'ai pas d'argent. Commander, we've got another contact. Signature is a little bigger this time. Ah oui, c'est vrai que je peux changer la difficulté du jeu en cours. Ouais. Ah non. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Ah putain, il va falloir que je commande d'autres et tout. Fait chier. La nouvelle recherche. Ouais, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de ça quand même. Mais j'aimerais bien faire les EV lasers avant. Ah ouais, mais on va faire ça avant. I appreciate your efforts to support the research. Mais c'est pas un manque de foi, ils ont raison. Ah, j'ai plus d'argent. Ils doivent être contents là. Oh, y'a un USO qui s'est barré. Je suis pas content. Allez. Commander, our fighter is down. We've lost contact. Remember, we will be watching. Tu mords 5 fois en classique alors. Commander, we're receiving several urgent requests for assistance. There are abductions in progress at each marked site. Mais un lieutenant assaut, est-ce que ça se refuse? En vrai, je vais faire ça pour la panique en Chine. Allez. Voyons, mes mecs, mes snipers, indigestes garottes. C'est rigolo. Alors, j'aimerais bien donner des grosses armures à tout le monde. Et des précisions laser à tout le monde. Merde. J'ai pas d'alloy. Fais chier. Ah, fais chier. Ah, ça coûte des alloys, ça aussi. J'ai plus d'alloy à la con. Bon, ben on va y aller comme ça. Ah non, mais ça serait bien de stun quelqu'un quand même. On va essayer d'en ramener un en vie. I'm sure the troops will be eager to get out there and even up the body. You're planning to bring one of those things back here with the Arc Thrower, Commander. We're going to need a containment facility to house it in first. Ah oui, j'ai pas d'alien containment. Ok, c'est pas grave. On va y aller comme ça, mais même si ça sert à rien. Et on va en Chine. Non mais alors oui quoi. Prepare for deployment. Allez. We're heading into China for the next operation. Solid copy, Big Sky. Strike one is clear to engage. Je sais pas où est-ce qu'on peut mettre. Ah. Voilà, on va rentrer là-dedans d'abord. Ça me semble être une bonne idée. Rien là-dedans, mais on va y aller quand même comme un gros bois. Hein. C'est vrai que les portes ils aiment pas. Ouais. Donc la question c'est où est-ce que je mets mes snipers? Est-ce qu'il y a moyen de monter? Sniper ici. Alors. Go.
Ah, yes, I was. On va mettre les snipers d'un côté et les autres de l'autre. Il est déjà 1h du mat. On va pas tarder. Allez, sniper. Suprême Molly. Sniper. Truc. On va laisser passer un tour. Ah, ils sont par là. Et on va ouvrir les portes. Vous pouvez pas ouvrir la porte, monsieur Crapou? Allez, bon. Coucou. Oh, y'a tout. La vraie question, c'est si j'envoie lui comme un porc, je vais pas pouvoir le sauver. Sa main, comment ça va? Ah, des vieux seekers là, quoi. Cool. Allez. Donc, eux, il va falloir qu'ils se cassent, ouais, normal. Ça veut dire que c'est du free kill. Ils font n'importe quoi les graines. C'est du mode easy, c'est pour ça. On joue en easy parce qu'on est mauvais. Oh là, lieutenant indigeste. Lieutenant indigeste, c'est à 3 mètres, tu ne peux pas rater. Voilà, bien joué. Wouh, c'est une Nergul. Ah, Nergul, tu es mort aussi, je crois. T'avais un personnage à ton nom. Mais là on a personne qui meurt, on est trop fort, c'est chiant. On va donner des kills à Chilong. Premier mort du PlayStation, c'est vrai? Je me rappelle pas. Je sais pas quel c'est. J'avoue que c'est un truc que j'ai jamais réussi à utiliser proprement. Mais c'est vrai que l'explosion de la voiture fait 6 dégâts, donc si c'est le cas, il y a moyen de s'en servir du coup. Donc là, évidemment, j'attends que. Voilà, exactement. Au revoir! Ça devrait suffire, j'imagine. Non? Putain, vous faites chier. Tout ça pour avoir qu'une unité se fasse Crocnox. Crocnox, il fait un replay de une taille comme il faut. Putain. Bute ça. Pense au meld. C'est vrai qu'il y a le meld dans ce jeu. C'est vrai que ce jeu cul à meld. Il est où le meld? Je sais pas du tout où il est. Ça mon problème. Go.
c'est des soldats mecs. On n'en était pas arrivé là dans le premier plaisir. Allez, voilà. Coucou. Je suis un mécanergule. Mais c'est une dernière. Ah, à la limite, ça aurait pu être bien de. Ah, mais t'as bougé. Alors, recharge, tiens. Non, il n'y a pas de méca dans Unknown. C'est une nouveauté de Wizen. Non, bon, c'est pas grave. Waouh, comme ils nous passent par derrière, c'est fantastique. A chaque fois qu'ils font ça, j'ai l'impression qu'ils se suicident. Ça. Où il est parti. Ah, le temps crapaud. Bravo crapaud. Il n'y a que lui qui pouvait le voir avec ses yeux bioniques. We nailed it, Commander. Ah, ou le targeting pour Pilou, le major Pilou. Ah, on pourrait augmenter les soldats aussi, ça. Putain, mais il faut plus de meld, vous avez raison. On a toujours pas d'alloy. On a des trucs pourris à vendre. On va s'en garder un pour faire les autopsies. Je sais pas si c'est un ou deux. J'aimerais bien. Ouais, on va déplacer le workshop ici, je pense. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Ah, fantastique. Ah mais merde, il va encore me falloir. Ah, fais chier, j'ai aucun alloy. Mais c'est relou. Ah, par contre, je peux acheter des laser canons. Très important. J'ai que 10 alloy. Putain, par contre, c'est chiant ça. Bah, allez, on va commencer à se faire les autopsies. Ah mais c'est médium, je vais me faire démonter encore une fois. We're in pursuit. Ah oui, il y a des petits robots. Ah nice, non. Putain, c'est chiant. C'est pour ça on va s'acheter un. On va s'acheter un canon laser. J'ai plus d'alloy, mais je suis obligé quoi. Okay, on est bon niveau pouvoir, niveau puissance. Ah oui, je pourrais faire l'Experimental Warfare, il y a des trucs bien quand même. Sinon, on peut faire l'autopsie des flotteurs. L'autopsie des allumettes. Du coup, un satellite uplink. On est riche. Hein.
On va se faire notre lab ici. On a plus d'argent, ça y est. Il me faudra une fonderie en fait, mais j'ai plus d'argent. Alors, le conseil, hein, il veut quoi? Ah, ouais, ouais, ouais. On va faire ça, c'est pas hyper dur. On est tellement bourrin. Allo IV1. Allo IV1. Allez IV1. Prepare for deployment, strike one. We're heading into China for the next operation. Chongqing. China. Allez. Il reste 10 tours. Commander. The alien battleship is currently on course for the city, and we don't have much time to respond. Using the device provided by Zhang, Dr. Shen has developed a series of modified transponders that should throw off the alien's navigational computer. However, the only way for us to get them in position fast enough is by using the commuter rail network running through the city. On sent le plan à la con, hein. Je veux pas dire. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de monter sur ce toit? Non, aucun. Ok, voilà. Donc toi, t'es le mec là. Toi, t'es le mec qui va rentrer dedans. Et faire ce genre de truc. Toi, t'es le sniper. Tu vas tuer tout le monde. This is the train we're going to be using to move the transponders. It's not ideal, but we'll have to place each of the transponders in a fixed position in order to ensure the signal strength. Combien? Pas très grave, ça. Ah putain, c'était bien joué, mais c'était pas suffisant. Non, tu vois personne. Ok. C'est quoi le trigger pour la mission de défense de base? C'est un. Après, c'est l'envahissement de leur base à eux qui fait ça. Ah, mais voilà, c'est là où je voulais aller tout à l'heure et j'ai pas pu. Pour une raison qui m'échappe. Ah, mais toi, tu vas te faire démolir, toi. Ouais, elle est grave chaude la défense de la base. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas le speedrun de Enemy Within, veut rien dire. Parce que sinon, je ferais des speedruns de Enemy Within, mais tu peux pas à cause de ça, c'est chiant. Tu te fais démolir. Ah, GG le Tontoligon. Faut pas présent dans une zone, non, c'est une mission spécifique à. C'est pas très grave, ouais. Ça, par contre, c'est un peu chiant. 100% de chance de toucher, ça devrait être bon. Puis le crapaud. Bon. Good. That transponder is in place and operational. Once the rest are deployed, they'll begin transmitting a signal to confuse the alien navigation system. If everything goes according to plan, the signal should pull the battleship off course, leaving us with a prime opportunity for an ambush. Qu'est-ce que c'est la gratuité? Commander.
Commander, we have multiple incoming bogeys. It looks like they were air launched from the battleship. Expect new contacts any minute now. Boom. C'est là qu'on voit qu'on rayonne. Bon, toi tu fais de la merde. Mais regardez. Prenons Croc-Nox. Prenons pile crapaud. Pile crapaud, il va faire ça. 100% de chance de critique, 100% de chance de toucher. C'est là qu'on rigole. Keep rolling, Strike One. You've got two transponders left. Hostile units are moving on Strike One's position, Commander. The alien battleship is still on a direct course for the city, Commander. We'll have to move quickly. Boom. Et toi, tu dois pouvoir le voir, hein? Non? Personne ne le voit. C'est toi. C'est là qu'on se fait chier, en fait. De se déplacer genre par là sans déclencher l'Overwatch. Pas de vision. Vous êtes con. Crame au pif. Je capte vraiment pas. You're almost there. Only one transponder left to be activated. Voilà. Ça. Puis lui, il devrait être capable de voir ça. Voilà. 94%. Non, ça c'est pas Pilou, c'est un objet ça. Ah, rate. Ça c'est Pilou. 100% de chance de toucher pour Ranger Pilou. We're receiving reports of heavy X-ray activity in that area. Enemy forces are likely closing on your location. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Ok. Oh, que 91% de chance de toucher, c'est de la merde. Lui je capte pas parce qu'il me voit, mais c'était très bizarre. J'étais dans une situation très bizarre. Ah voilà mec. Short on time. That battleship is still on a direct course for the city. We have to get moving. On est bon. Personne le voit? Quelle tristesse. We've got it. All of the transponders are now transmitting. Now you just need to activate the train's drive system. Objective updated. Nice job, Commander. It looks like all the transponders are in position and the train is ready to leave the station. Once it crosses paths with the battleship, the aliens are in for a surprise. Ah, je peux pas la passer celle-là. Ça c'est rigolo. Le méchant gros battleship. Bon, c'était méga gratuit. Gratuité.
Du coup, tout le monde est promu. Ça, c'est bien. Ah, alors. Confère Duels Recovery avec chaque turn. Ok, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Même si pour l'instant, je m'en suis pas trop servi. Alors, Will to Survive, c'est cool. Ah, ça, c'est bien. Will to Survive, c'est OP. Remember, we will be watching. On n'a pas plus d'alloy qu'avant. Ah, c'est là où il faut. Non, parce qu'on n'a pas d'argent non plus. Ah, mais on peut peut-être vendre des trucs. Non. Ouf. Ça coûte combien la fonderie? Ah, mais j'ai pas Experimental Warfare. Ok, dans deux jours on se met Experimental Warfare pour la fin. C'est important ça. Encore. J'ai jamais compris quel c'est non plus, mais c'est pas grave. Gangplank. Ok. Ok, ça va me donner des alloys, ça va être bien. Par contre, c'est une mission assez difficile. Toujours ce problème d'alloc. On est le 18 mai, j'ai déjà fini dans le coup, quoi. We're heading into China for the next operation. Je peux même pas la passer. Ça, c'est une mission assez particulière. Big Sky took care of the delivery, but now comes the hard part. If we're going to set that battleship down intact, we'll have to start by disabling the power conduits positioned across its surface. There's no telling what we're going to find up there, but we should expect heavy resistance from the alien forces manning that ship. New objective received. J'ai une idée. On va attaquer ce vaisseau alien avec un métro. Je me rappelle tellement pas à quoi m'attendre. Ah si, c'est une map tellement chelou, ça y est, je me rappelle. On fait deux groupes. Chaque groupe a son sniper. C'est Door Kicker. C'est gratos. The conduits positioned on the surface of that battleship are tied directly into the ship's power grid. If we can disable the conduits or destroy them with explosives, it should put that thing out of commission, allowing us to seize its cargo without the risk of collateral damage. Des bonnes chances de toucher, quoi. Allez, go. Jusque-là, tout va bien. C'est pas le début qui est difficile, c'est le milieu au moment où il y a un gros disque qui t'arrive dans la tronche. Just received some intel that hostiles are advancing on your location. Ready up. Ça me fait pas très peur, ça. Surtout pas ça. Ça, c'est un kill gratuit pour n'importe quel sniper qui se respecte. Par contre, j'aimerais bien commencer à avoir des vraies armes, quoi. Ça, c'est chiant. Je peux pas avoir de vraies armes si je n'ai pas d'alloy. J'aurais bien aimé voir le mec. Ok, c'est pas grave, on va y aller comme ça.
c'est que tout qui me voit mais qui me rate, et du coup le sniper devrait pouvoir tirer. Allez, go. Divinity Garrote, on y croit. Croc-Nox, c'est toi qui vas faire ça. En ce temps-là, toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir de l'autre côté, pareil, là-bas. Et vous, vous allez vous poster en haut là-bas, en fait. C'est ça qu'il faut. Les deux snipers, là. Toi, tu vas venir là. J'avais réussi jusque là en classique. Eyes peeled, Strike One. Opposition is headed towards you. Repeat. Hostiles approaching your position. Ça c'est pas grave parce qu'on les démonte les petits. Là il y a un chrysalide. Non, pas dans cette difficulté. Pff, 100% de chance de toucher, pourquoi pas. J'ai envie de dire, c'est toujours bien. Bon, c'est cool. Du coup, Croc-Nox, tu désactives ça. Commander, whatever you just did seems to have stirred up the hornet's nest. The aliens are going to throw everything they've got at us to protect that ship. Leurs aliens, c'est hallucinant quoi. Hostiles are headed your way, Strike One. Prep for contact. I'm still operational. Oh, petit dégât. Ah, ça c'est le crapaud. Ça c'est la gratuité. Ah, toi tu vois quelqu'un. 100% de chance de toucher à cette distance là. C'est hallucinant, Ranger pour le crapaud. Crapaud pilou. Pan. Ils essaient de communiquer. Ils essaient de les dégommer. Pas dur. Ouais, mais voilà. Comme dit plus tôt, la difficulté trop facile, on s'emmerde. La difficulté impossible, on n'y arrive pas. Ah, elle se soigne, ça c'est cool. Allez, Croc-Nox, le pilou, il faut venir jusque là. Il est là. Toi, tu vas venir jusque là. Troops just hit the others with explosives. Hostiles are closing on your position, Strike One. Eyes open, people. Ah. Pardon. Oh,
là ça devrait faire mal. Tiens pour l'indigeste. En avant. Ça fait pas très mal. Allez Croc-Nox, tu peux le faire, mais non. Mais non, mais non. Putain, il est 1h30. On va y aller. Oh là. L'artillerie lourde. Faire un autre tour ici, voir ce qui se passe. Puis sinon on va y aller. Ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser nos deux snipers au centre, on va envoyer le coin. Toi tu restes là et toi on va t'envoyer avec le centre. Raison bien différente. Ça aurait bien faire pop quelqu'un ça. Voilà. Je pensais vraiment qu'il y avait un disque qui arrivait à cet endroit-là de la mission. J'ai dû me tromper. It's about to heat up over there, Strike One. X-rays are making their way to your position. Genre j'ai peur de ça quoi. Ils veulent la paix au fond. Ah, là c'est le dessert. Major Pilou. En hauteur. De loin. Pan. Voilà. Il y en a un, on est d'accord. Je me rappelle pas où. Du coup j'ai un peu peur. Honnêtement, là on est en difficulté tellement bidon que ça peut être pas dans cette difficulté là. En fait, j'arrive même pas à savoir si on est en facile ou si on est en normal. Tellement c'est normal, tellement c'est facile. Est-ce qu'ils peuvent tuer ce genre de truc ces mecs là? There's another conduit down. You only need to deactivate two more. Oh, bon, normalement, mais j'étais sûr qu'à cet endroit il y avait un disque. Je trouve ça trop chelou. Tu peux le voir dans le menu ça? Ah, je suis en normal. C'est là tous. Je capte pas. You guessed it, boys and girls. You've got hostiles inbound. Stay frosty. Ah, il est là. Ok, effectivement. On va le démolir le disque. Évidemment, il arrive au moment où j'ai bougé mes snipers, quoi. Et il est déjà très fort. Oh, attention le mec.
Toi t'es mort. Ah putain. C'est chiant. J'aurais bien aimé avoir mon sniper pour ça. Toi si tu veux mourir. Ah t'es immune au poison en plus, c'est cool. Alors. Oula, ça fait pas beaucoup de dégâts. Rien bien qui reviendra le dernier. Tous les Martian Tim Burton. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle se soigne en plus. Par contre, tu vas finir par te faire déglinguer. Hein. Ouh, toi tu vas mourir. Ouh, toi j'ai. Ouh, ça fait. Oh là. Waouh. Oh 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 oh. Me dis pas que ça va. Ah putain. Oh putain. Oh putain. En fait toi j'aimerais bien que tu te mettes. Si tu bouges, est-ce que tu te fais Ouais, mais l'explosion elle devrait être que autour comme ça. C'était maîtrisé. Zone is about hostiles are inbound to your location. Mais pourquoi y a, normalement il y a des berserks et tout ici aussi. Ah là, des mutants. Hein. J'ai oublié ce que c'était, mais je crois que j'étais bien sûr qu'il y avait un truc comme ça. Ah, lieutenant suprême. Tu rates, mais c'est pas grave. Cette fois, c'est toi qui as torsion dans la face. C'est pire que c'était violent. Faut recharger au moins. Up, Strike One. You're picking up some strange readings near your op zone. Keep an eye out for hostile forces. Wow. Ouais, je prends des dégâts quand même. Toi, t'es mort. Lui, on pourra les capturer. Évidemment, les réflexes de l'éclair.
conduit down. Only one more to go. Take that out and the ship is ours. T'as combien de chances de toucher avec ça? 78%. Très peu de chances de le tuer. Ah, attends. Non, bon, d'accord. We're almost there, Commander. We just need to eliminate the remaining hostiles, and that ship is all ours. We have a new objective. Excellent. Now we can begin preparing for the interrogation. Nicely done. Fantastique. Bon, c'était grave facile. Mais là, on va avoir des alloys. Et oui. Hey Crocnox, close combat spécialiste. T'es quoi? T'es Major Crocnox le support? I know it wasn't easy, but this could really be a turning point in our research. Not only can we interrogate the subject, but bringing an alien back alive provides us with a much better understanding of their physiology. Impressive work indeed. Ah, on a plein d'alloy. Oh putain, on a 500. Quoi. J'ai juste pas assez d'argent. Ah, c'est fantastique. Où sont les EV Laser? Non, c'est le... Ah, c'est ça. Les Arcane. Ça coûte que 10. C'est la panique. Non, non, on va pas envoyer pile crapaud, attendez, on va envoyer un mec de merde. On va envoyer Maria Valdez. Covert operative deployed to disrupt Exalt Cell in Australia. Commander, we're detecting a new project. Est-ce que je peux tuer un arbre? Anything we've previously encountered. I recommend we scramble our best equipped fighters if we're going to engage that ship. Où c'est chaud. Closing on target. Ah, avec des... ça devrait être quelque chose là. Allez. Chops, t'es qui toi? Ouais, attends, on a KLC et tout là. Plus. Je pense pas qu'on va se faire celle-là, je vais aller me coucher aussi. On va se la garder. On va juste voir le Grey Market si j'ai pas des trucs à vendre. Ouais, voilà, on va se garder juste deux comme ça et un que... Non, c'est l'inverse. On va s'en garder quatre comme ça et deux comme ça. On garde ça évidemment parce que ça c'est hyper utile. On va vendre un peu des trucs comme ça. Et on va aller s'acheter. On va s'acheter deux railguns. Putain, ça coûte la folie. On va s'acheter un autre sniper. On va s'acheter au moins un heavy laser. Et on va s'acheter au moins deux autres carapaces. Voilà. Maintenant, quand on ira faire ça, on aura lui qui aura ça, lui il a ça, comme ça, voilà, on est un peu mieux, on est un peu mieux, allez. On garde ça sous le coude pour la suite. Du coup, on ira avec notre team de choc. Donc évidemment, on est en mode de difficulté facile. Donc c'est vraiment juste pour la détente, juste pour le fun. Du coup, on a KLC, Tollywen, Pilou, Crapaud, Indigeste et In Progress, Geek In Progress. On continuera ça demain soir. Je mets les épisodes sur YouTube. Donc évidemment, je mettrai le fail en classique et je mettrai le début de ça en normal. Voilà, donc des bisous. Merci d'avoir regardé et on se fait la suite demain. Salut, salut !